Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour faire un comparatif entre les différentes unités de stockage qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché afin de vous montrer réellement ce qu'elles ont dans le ventre et ce qu'elles vont vous apporter en réel de telle sorte que lorsque vous vous retrouvez, je ne sais pas, à la Fnac, à Darty et que vous avez le choix entre ces différents types de stockage, vous saurez exactement lequel il faut prendre et pour quel type de besoin. Je commence par vous montrer les forces en présence avant de faire les tests. Donc ici vous avez le disque dur classique qu'on peut appeler HDD. C'est un 5400 tours pour le coup. C'est très classique. C'est un format 2,5 pouces qu'on trouve dans la plupart des ordinateurs portables. Le mien fait 1 Tera, mais ça ne change absolument rien à la donne. Retenez juste que ça, c'est les disques à l'ancienne. Ici vous avez un SSD, donc ce n'est plus un disque qui tourne à l'intérieur. Ce sont tout simplement des puces mémoire. Ça se branche sur le même endroit, les mêmes ports que le disque que je vous ai montré juste avant. Donc si vous avez un disque à l'ancienne dans votre ordinateur, c'est ce format que vous allez pouvoir privilégier, notamment si vous avez un ordinateur assez ancien, lui normalement devrait pouvoir fonctionner sans aucun problème. Et croyez-moi, ça booste. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Même si vous prenez de l'entrée de gamme comme celui-là, et il en existe des nettement mieux sur le marché. Et dernière force en présence, le NVMe. Alors ce c'est pas celui-là que vous allez voir dans le test. Celui que vous allez voir dans le test, c'est un Samsung 970 Evo. Donc c'est un, un disque, enfin un disque, on va dire si on peut appeler ça, une mémoire qui est quand même plutôt costaud. Ce que vous devez retenir ici, c'est le port M2. C'est lui qui est important. Si vous l'avez à l'intérieur de votre ordinateur et notamment un port M2 de libre, vous allez pouvoir installer ce genre de mémoire et ça, croyez-moi, ça peut booster votre ordinateur à fond, même si toutes ne sont pas égales. Ici, vous avez une version entrée de gamme, celle que vous allez voir dans le test d'aujourd'hui, c'est une version... Plutôt haut de gamme. Allez, c'est pas pour vous faire peur, mais ma vidéo n'aurait pas été complète si je vous avais pas montré ça. Je vais vous montrer où se branchent les pièces dont je vous ai parlé. Je vais vous présenter aussi l'ordinateur juste pour dégrossir le tableau et vous montrer que voilà, c'est jamais qu'un assemblage, on va dire, je vais pas dire de ferraille, mais d'éléments comme un autre, c'est franchement tout sauf compliqué. Petit zoom, ici vous avez la RAM, fameuse RAM, avec deux ports, un qui est utilisé sur mon, sur mon ordinateur, je peux donc en mettre une deuxième barrette. Ici vous avez le fameux NVME sur port M2, le port M2. C'est ça, ça veut juste dire que le disque va venir s'encapsuler là-dedans avec une petite vis pour l'enserrer. Ici vous avez le SATA 3 et dans le port SATA 3 qui se trouve juste ici, vous allez juste venir encastrer votre disque. Il y a absolument rien de spécial à faire. Vous allez remettre éventuellement les petites vis à ce niveau-là. Mais franchement, c'est très très simple. Idem pour un disque MVME. La seule chose que vous allez faire, c'est le rentrer à l'intérieur du port. Très franchement, c'est à la portée de tout le monde à ceci près que voilà, enlever le capot, il faut enlever les vis. Ça peut avoir une incidence sur votre garantie. Tous les constructeurs n'aiment pas forcément qu'on démonte le capot. Je vais vous présenter aussi l'ordinateur tant qu'à faire, tant qu'on y est. C'est juste pour dégrossir le tableau et pour montrer à ceux qui s'y connaissent le moins que c'est pas extrêmement précieux. Vous pouvez toucher, vous n'allez rien casser. si vous vous mettez pas un gros coup de tournevis, on vous dira qu'il vaut mieux éviter l'électricité statique, mais ça fait une belle jambe à tout le monde. Comment éviter ça? Ce n'est pas si simple que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, vous n'allez pas casser l'ordinateur juste parce que vous avez enlevé le capot et que vous avez touché les pièces. Vous avez ici le processeur, vous avez là le chipset de la carte graphique, ici vous avez les ventilateurs, là vous allez avoir les pipelines, donc les tuyaux qui vont être chargés de la dissipation thermique. La ventilation, hop, va vers l'arrière. Ici, vous avez la batterie. On en a parlé, vous avez la RAM. Là, vous allez trouver, je crois, le, le Wi-Fi. Et puis là, vous avez les ports, la connectique, etc. Il n'y a pas grand-chose finalement à savoir de plus sur un ordinateur. Allez, je vous propose de faire ensemble la séquence de démarrage de Windows. Vous allez vous apercevoir immédiatement des différences qu'on peut avoir entre un NVMe qui charge Windows en seulement 7 secondes, un SSD pourtant entrée de gamme qui va le charger en seulement 14 secondes, et un disque dur classique conventionnel qui va mettre alors quasiment 2 minutes. On peut obtenir des performances plus ou moins bonne fonction bah, du euh, disque dur que vous allez avoir à l'intérieur de l'ordinateur. Mais en règle générale, vous ne descendez que rarement en dessous des 60 secondes. Et là, pour le coup, ça prend trois plombes. L'installation de Windows prend trois plombes. Je ne me souvenais plus. Long, moi je suis habitué à travailler sur des SSD depuis déjà un petit moment. Installer Windows, je vais pas dire que ça me fait plaisir, mais c'est une formalité, ça me prend pas trois plombes. Mais là, tout installer, installer les logiciels par-dessus, attendre que la congestion des disques à un moment donné où ça travaille euh, s'achève, mais c'est infernal. Franchement, quand vous allez passer au SSD, ça va vous transformer la vie. Je vous propose de continuer par l'ouverture d'un logiciel qui consomme quand même plutôt pas mal de ressources. C'est Gimp, donc c'est un concurrent de Photoshop. En 7 secondes, le NVMe va l'ouvrir. En 13 secondes, le SSD va parvenir à l'ouvrir. Et bien sûr, bon dernier, mais très, très largement, le disque dur conventionnel va mettre quasiment une minute. C'est un logiciel qui est assez costaud, effectivement, qui prend du temps. Et si jamais vous n'avez pas un disque rapide, vous dire, c'est une tannée. Je ne vous raconte pas quand vous faites du montage, etc. aussi, avec des logiciels vidéo, ça prend trois plombes. Test non concluant, ultra rapide. Je voulais ouvrir un film HD et ils ont quasiment tous les mêmes perfs. Allez, on se teste un jeu vidéo. Pour le coup, j'ai choisi Far Cry 5. C'est un jeu qui consomme, alors pas mal d'espace disque dur, pas mal de RAM aussi. Là, je fais une petite accélération x euh, 8 en termes de vitesse de défilement de la vidéo, tout simplement parce que ça prend 3 plombes. Vous allez voir, il faut euh, 81 secondes au NVMe pour charger le jeu complètement. C'est dire si, quand même, il est costaud. Et seulement 85 secondes pour le SSD. 4 secondes d'écart avec le disque le plus haut de gamme, alors que mon SSD est véritablement entrée de gamme. Ça, franchement, c'est très très étonnant comme performance. Le euh, disque dur classique est bon dernier. Il lui faudra presque 3 minutes pour arriver à charger le jeu au complet. On fait un petit tour par Crystal Disc Mark, Benchmark. Qui va nous donner un ordre d'idée de ce qu'ont les disques dans le ventre. Donc vous voyez, entre le SSD et le disque classique, on a un rapport de x10. Le SSD est 10 fois plus rapide que le disque dur classique et le NVMe est 50 fois plus rapide que le disque dur classique. Vous allez me dire, mais quelle est l'utilité d'un disque dur classique Il va forcément nous recommander de ne pas en utiliser. Eh ben non! Vous pensiez peut-être que j'allais vous dé le disque dur conventionnel, mais pas du tout, il est fondamental. C'est lui qui va venir stocker les données les plus importantes de votre ordinateur. Ça a une durée de vie assez énorme ce genre de disque, supérieur à ce qu'on peut trouver sur les concurrents en SSD ou en NVMe. Il est essentiel dans un ordinateur, c'est lui qui va stocker vos photos, vos vidéos et pourquoi pas les jeux vidéo les plus gourmands, puisqu'un SSD ça coûte relativement cher. En tout cas, le prix au gigaoctet est supérieur au prix qu'on peut avoir dans ce genre de disque. Lui est véritablement Essentiel, je vais pas vous recommander une taille à vous de voir en fonction de vos budgets. Ça peut aller de 300 à peut-être, je sais pas moi, 2 teraoctets. Celui-là, c'est 1 teraoctet. On peut déjà quand même mettre pas mal de choses dedans, mais il est véritablement fondamental. Ne faites pas l'impasse dessus. Et à vrai dire, quand j'achète un ordinateur neuf euh, dans le commerce, on va dire classique, un ordinateur que je ne monte pas moi-même, je vais avoir tendance, fonction du prix proposé par le commerçant, à partir sur ce genre de disque tout simplement parce que j'aime acheter moi-même le SSD afin de prendre vraiment le pas euh, bah dire le plus optimal, celui qui me. Me convient réellement parce que c'est lui le plus essentiel c'est lui qui va faire tourner on va dire les applications qui nécessitent vraiment d'aller vite donc j'avoue que j'aime bien le choisir moi-même donc fréquemment dans mes ordinateurs je les achète de base avec ce genre de disque là du coup l'ordinateur me coûte souvent moins cher et je peux choisir les pièces maîtresses moi-même ce qui va tout changer à votre ordinateur si vous n'en avez pas déjà c'est ça un ssd ou un nvme le ssd c'est juste le format qui est différent vous avez ici du sata vérifiez dans votre ordinateur s'il n'est pas trop vieux normalement vous avez du sata vous aurez du sata 2 ou du SATA 3, ça va être une question de bande passante. Ça, c'est un disque qui fonctionne très bien sur SATA 2, SATA 3 puisque de toute façon ses performances équivalent à ce que peut produire du SATA 2, mais vous avez notamment chez Samsung des disques de très bonne qualité qui seront plus à l'aise avec du SATA 3, mais que j'ai déjà branché sur du SATA 2. Donc c'est juste des normes, ne vous fiez pas. Vous ce qui compte, c'est surtout de pouvoir brancher le petit port ici si vous n'exploitez pas totalement les capacités du disque, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça ça change la vie, ça démarre Windows comme une balle, ça démarre vos applications comme une balle et vous n'avez pas à votre processeur vous n'avez pas à changer de ram vous n'avez pas à changer de carte graphique une fois que vous aurez installé ce truc là croyez moi ça change totalement la vie en matière de lancement d'applications évidemment ce n'est pas une unité de calcul ça ne va pas vous faire jouer aux jeux vidéo auxquels vous ne pouvez pas jouer avant par contre ça va charger les jeux vidéo infiniment plus rapidement vos applications et windows tout ça croyez moi ça change une vie une fois que vous êtes passé à ça plus jamais vous ne revenez en arrière venons en à notre copain nvme évidemment c'est lui que je vous recommande déjà si vous avez les moyens et si vous avez un Port M2 à l'intérieur de votre ordinateur, un port M2 libre. Alors vous pouvez remplacer votre ancien si jamais vous le souhaitez, hein, mais je pense que les personnes qui en sont à ce stade-là pour le coup n'ont pas forcément besoin de cette vidéo. Si vous avez un port M2 de libre à l'intérieur de votre ordinateur, je vous conseille clairement de vous acheter ce genre de petit jouet Je vous ai mis le lien directement dans la description vers le mien. Le Samsung Evo 970, il est véritablement top. Ça change tout, mais vraiment tout de chez tout. Prenez à minima du 256 Go pour pouvoir absorber Windows et absorber quelques jeux. Si vous avez les moyens, évidemment prenez des capacités supérieures mais c'est vraiment génialissime ça change absolument tout sur votre ordi et je vous le redis ça ça ne démérite pas si vous pouvez vous prendre un SSD de ce type là de toute façon vous verrez la différence mais comme vous ne l'imaginez probablement pas si jamais vous n'avez jamais essayé ce genre de solution avant Désormais, votre installation de Windows, vous allez la faire sur un de ces deux disques. Alors, on ne peut plus vraiment appeler ça des disques. C'est des mémoires, c'est des puces à l'intérieur. Et ça n'empêche pas que votre ancien disque, même si vous n'avez plus de place dans votre ordinateur, vous allez pouvoir le conserver et l'utiliser. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. C'est miraculeux, c'est magique, c'est à avoir absolument chez vous. Je vous ai mis le lien dans la description pour l'acheter. Ça coûte 3 francs 6 sous. Et c'est fondamental. Avec ce câble-là, vous allez pouvoir brancher n'importe lequel de vos disques directement sur votre port USB. Plus besoin de l'avoir à l'intérieur de l'ordinateur. Sur simple port USB, vous récupérez toutes vos données. Du coup, il n'y a même plus besoin réellement d'aller sauvegarder vos données ailleurs si jamais vous décidez par exemple de passer à un disque SSD comme celui-là. Vous débranchez celui-là de votre ordinateur, vous mettez le nouveau, vous installez Windows et après vous branchez ce câble-là et vous pouvez accéder à toutes vos anciennes sauvegardes directement là-dessus. Franchement, c'est top. Que demander de plus Voilà, c'est tout pour mes recommandations Windows là-dessus, plus les jeux vraiment les plus essentiels et le stockage des biens, des choses auxquelles vous tenez réellement sur un disque dur conventionnel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi un like si jamais c'est le cas. Je vous ai mis les liens vers tout ce dont je vous ai parlé directement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test, une nouvelle vidéo. À la partager, ça m'aide à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite sur AliExpress pour un nouveau test. Salut!